Ce timbre de 1971 illustre l'événement que nous considérons de manière symbolique comme l'acte fondateur de notre République. Mais lorsque le jour se lève ce matin du 14 juillet 1789, rien ne laisse présager de la tournure historique qu'allait prendre cette journée. Toute la nuit, dans Paris, une rumeur a circulé. Louis XVI va envoyer sa garde. Une foule inquiète se regroupe alors devant les Invalides et réclame les 32 000 fusils s'y trouvant. Devant le refus du gouverneur, les émeutiers forcent l'entrée et, étonnamment, la garde laisse faire, ne fournissant aucune résistance. Le peuple a désormais les fusils, mais pas la poudre. Celle-ci est à la Bastille. Aux alentours de midi, la foule parisienne se met en marche en direction du faubourg Saint-Antoine. À la Bastille, une délégation est conviée à la table du gouverneur Delaunay, à qui l'on demande deux choses, la poudre et le retrait des canons alors dirigés sur Paris. Les négociations s'éternisent. Dehors, on s'impatiente. La tension monte. Le gouverneur ordonne finalement le retrait des canons, mais de l'extérieur, la foule l'interprète comme l'annonce d'un bombardement imminent. Il ne fallait qu'une étincelle pour que tout s'embrase. Armé de peu de choses, le peuple s'introduit. En deux heures, la citadelle construite sous Charles VII, transformée en prison d'État sous Richelieu, réputée imprenable, est finalement tombée. Et avec elle, le symbole du pouvoir arbitraire monarchique. C'est au duc de La Rochefoucauld-Liancourt, responsable de la garde-robe royale, que revient la douloureuse charge de réveiller et de prévenir le roi de ces mouvements populaires. Louis XVI de s'étonner, « Mais c'est une révolte ?» Le duc de lui répondre, « Non, sire, c'est une révolution. »